toutes et à tous, heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui et je vais vous parler des maîtres de l'univers. Et ici, comme vous le savez dans d'autres vidéos, je vous avais présenté des Masterverse, c'est-à-dire que c'est une collection qui sortait tout droit des origines en fait des maîtres de l'univers au niveau de leur conception et qui ont été remises par Mattel au goût du jour avec des personnages bien plus grands que les anciens qu'on a connus et aussi du reboot avec les Masters of the Universe Origins. Et donc ici je vais vous présenter la nouvelle collection parce qu'il y a des nouvelles collections de chez Mattel à propos de ces personnages qui ça n'arrête pas pour l'instant. Et ici on est dans la collection New Eternia. Alors c'est vraiment bien et je vais vous présenter aujourd'hui un gars qu'on n'avait plus l'occasion d'en parler mais qui va vous rappeler peut-être à certains des petits souvenirs qui n'est autre que Cyclone. Voilà. Alors on va commencer par la boîte évidemment. Alors c'est une boîte Mattel, superbe, bien faite, tout ce qu'il faut, voilà. Elles ont changé encore une fois de format, je vous avais montré d'autres boîtes Mattel, de New Eternia ou Masterverse, et ça a encore changé, c'est pas pour me déplaire, c'est assez, allez on va dire, je vais vous montrer un petit peu plus loin, c'est assez géométrique, voilà, donc avec des bords comme ça, carrés, même chose de l'autre côté, pour le haut, voilà, alors, on a un chouette artwork, comme vous pouvez voir, qui est assez sympa. Avec des ennemis peut-être qui seront mis dans la collection ou pas, on ne sait jamais. Et donc ici, on a la présentation de tout ce qui peut être fait avec ce perso, qui est franchement ce reboot de Cyclone, est tout simplement pour moi magnifique. Voilà. Donc ça... Et, ah oui, et on a encore ici un superbe artwork, voilà. Magnifique, magnifique. Voilà. C'est vraiment ces reboots remis au goût du jour et avec des croquis originaux qui n'ont jamais été mis dans le dessin animé nous donnent l'occasion vraiment de voir des persos très 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 cool. Alors voici donc notre Cyclone. Regardez-moi ça. Alors... Je ne sais pas si on va bien le voir avec les lumières et tout ça, mais en fait, il est un peu doré. Il a un bleu très 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 sympa. Des rouges vraiment pas très prononcés, donc en sobriété. Ce que j'adore, c'est son petit radar, là. Pour ceux qui se rappelleront de l'ancien. De toute façon, je vais mettre juste ici, et là, je vais mettre la petite photo du Cyclone d'origine. Comme ça, ça vous donnera une idée. Donc il est vraiment très sympa. Alors, il y a une petite particularité à notre Cyclone, c'est qu'ici, il y a une option où il peut être masqué, ce qui lui donne un air un peu ninja, et je vais enlever une version, hop hop hop, la version, on va dire, originale, sans masque, et donc regardez ce superbe visage, c'est vraiment très très sympa. On va essayer encore de mieux faire, voilà. Voilà, voilà. C'est vraiment très, 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 très sympa, je trouve. Voilà. Alors, au niveau encore des autres designs, on a ces espèces, je ne sais pas si c'est des courbes d'énergie, en tout cas translucides, là, des deux côtés. Voilà. Donc, la tunique. Vraiment, il est très sympa. Au niveau des articulations, donc ici, ça bouge très 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 bien. Voilà, le crunch, pour les abdos, tourner bien sûr. Les jambes qui sont en double joint, donc le genou va en deux. Pareil pour le coude. Évidemment, tout ce qui est épaule, tout ça, c'est vraiment bien fait. La tête n'est pas en reste. Voilà. Donc il peut assez bien bouger la tête, c'est ça c'est sympa. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a les accessoires qui sont eux aussi très 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 sympas et à fonction multiple. Alors, on a d'abord les deux flammes ici avec son bouclier. Donc, les deux flammes peuvent être mises et comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai mis le bouclier sur son bras. Ensuite, on peut enlever ceci, aller dans le dos, lui mettre son bouclier comme ça. Déjà, hein, et ça me fait penser un peu à Captain America, mais voilà. Et prendre ici une flamme, l'autre flamme, et lui faire un bond d'énergie, voilà, puisque c'est Cyclone, lui faire son mouvement de Cyclone quand il tourne. Voilà. Donc ça nous laisse le choix quand même d'avoir que le bouclier sur le bras, ou le bouclier avec les flammes, ou mettre les flammes et le bouclier dans le dos. Voilà. Ce qui nous fait franchement un perso très sympa. Alors, il a une paire de mains supplémentaires qui pour moi aurait pu être peut-être une main ouverte ou qui pointait, parce que ici on n'a que deux mains fermées et je ne sais pas à quoi ça va lui servir vu qu'il n'a rien à attraper. Il n'a aucun accessoire en fait contendant. Qui a un manche par exemple, donc voilà, mais peut-être pour prendre l'arme de quelqu'un d'autre ou quoi, voilà, enfin il faut le savoir, il y a ces deux mains là et donc on a le masque, hop, voilà, et c'est tout. Mais franchement c'est des accessoires qui sont comment dire ça, très simple, mais qui font le job par rapport au perso. Et je trouve, voilà, il en fallait peut-être pas plus sûrement. Voilà, donc ça c'était notre pote Cyclone, avec encore une fois, je le répète, une très très belle boîte avec des chouettes artwork. Et voilà, donc il est sorti cette année, hein. Il y a encore moyen de le choper franchement à un prix très abordable. Et si vous avez aimé votre Cyclone d'origine, et même celui-là qu'ils ont ressorti, je crois cette année même aussi, le Cyclone en Maître de l'Univers Origins, qui est très sympa aussi, mais qui est super jaune pétant, hein, puisque c'est celui-là des années 80, je vous conseille celui-là, franchement, parce qu'il donne un autre look, et il est vraiment très, très chouette. Et donc, il va très bien avec le reste des collections de Masterverse ou tout autre, avec ceux de Hordak ou de Shira que je vous avais déjà présenté dans mes vidéos. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas toujours à laisser un commentaire, un like, ce que vous pensez, ce que vous aimez. Et comme ça, je sais que je fais plaisir à quelques-uns avec mes vidéos. Et je n'hésiterai pas encore à vous partager d'autres choses dans l'avenir. Merci beaucoup et à très bientôt.